Coucou. Oh, comme d'habitude, hein, je lance le stream et puis j'attends un petit peu. Salut Spectra. J'espère que vous allez bien. Alors, faut me le dire pour le son du jeu, si ça va pas. Parce que du coup, que je vous explique. Hier, il m'arrivait plein de trucs et tout. J'ai pas dormi de la nuit, je suis épuisée. J'ai un acouphène, du coup, j'ai mis qu'un seul écouteur dans mon oreille qui siffle pas. Parce que sinon, je pète les plombs. Et du coup, je sais pas si le son du jeu, il est pas trop fort pour vous. Ou pas assez, je sais pas du tout, parce que bah c'est dans les écouteurs pour moi, donc c'est un peu... Là, c'est le système D, hein. Allez, j'ai ma chaise qui grince toujours autant, faut absolument que je pense à la resserrer. Je vais resserrer les vis tout à l'heure, je pense. Après, je pense que le son... Enfin, normalement, j'ai pas trop touché, donc je suppose que c'est... C'est bien, je sais pas, on verra, hein, au pire. Mais du coup, ouais, je promets une heure de stream. Je vous devais en faire trois, mais je promets une heure de stream. Après, je verrai comment je me sens, si je peux continuer plus ou pas, mais je doute très fortement. Surtout que j'ai encore plein de trucs super lourds à porter ce soir, donc tranquille, hein, tranquille. Par contre, les petits bots, ils se lancent pas, là, encore. Bon, on va au moins relancer le jeu, voilà. Un seul joueur. Oui. Jouer. Je ne me souviens plus des touches, mais ça va revenir aussi. Oui, donc effectivement. C'est une vague de pression sur le surf, cherche pas, c'est de ma faute. D'accord. Mais du coup, effectivement, si je fais des bruits de chien, c'est parce que j'ai choisi l'avatar de chien au début. Hein. Parce que bon... En même temps, moi, je voulais pas une coupe mulet, donc bon... Ok, alors je sais plus ce qu'on devait faire. Ah, ah bah je sais pas, moi je vais jamais dans ce channel. Oh, c'est toutes les créatures, d'accord. Ok, j'avais pas vu tout ça, c'est cool. Par contre, je ne sais plus ce qu'on doit faire. Coucou. Alors, là, voilà. Le truc des quêtes. Alors, est-ce que le bot s'est réveillé? C'est une grande question, hein, que je me pose. J'ai l'impression que oui. Parce qu'en fait, j'ai changé de bot, hein, pour annoncer les streams sur, sur le Discord. J'ai changé de bot parce que l'autre bot, en fait, ils ont un problème. Ils ne font plus d'annonces de stream avec le bot CarlBot. Donc, je suis repassée sur Mi. Je suppose qu'il se prononce comme ça. Donc, bon. Du coup, qu'est-ce que je devais faire? Je devais trouver l'alliage extraterrestre. Ouais. J'ai des quêtes secondaires. Donc, ça, faut attendre. Ok, donc ça c'est le truc. Recolle tous les blobs orange. Ok, ça c'est les trucs. Alors on a aller plus haut. Et on a rénovation. Alors on va regarder. Est-ce que j'ai pas une carte, hein. On va se balader, on verra bien. Par contre, je voulais voir si dans l'imprimante 3D je pouvais me fabriquer genre des trucs, tu vois. Là j'ai pas assez, là j'ai pas assez. Ah, ça il me le faut, mais pour le moment j'ai pas encore découvert. Ok, donc ça on verra après. Équipement pareil, j'ai rien. Sac à dos, j'ai rien pour le moment. Et sur la visière, pareil, rien. Donc pour le moment, rien de nouveau. On se casse, allez-y. Et on retourne ici, on voit qu'il y a les deux indices de quête qui sont là. Donc go. Tu m'avais manqué, Echo. Alors, on a lui là-bas. Qui est le moins loin des deux quêtes. Donc, on va aller à celui qui est jaune. On va essayer de se souvenir des touches. Ok, je pouvais faire ça, c'est vrai. Ah, ah, saloperie de bestiole. Ok. Ok.
qu'on récupère les trucs. Alors attends. Je me souviens qu'il y avait un petit chemin. Alors par là non. C'était par là. Ah, fallait passer sous l'arche. Ça y est, ça me revient. Ah mais Echo, je l'adore. Le jeu en fait à lui-même est à mourir de rire. C'est à dire que tu dis bon, un jeu d'exploration spatiale, bof, on connaît quoi, on a déjà vu, il y en a plein, mais je pense, enfin je trouve que l'humour de ce jeu fait tout en fait. Puis il est beau hein, franchement, c'est joli hein, j'aime bien. Bah, ah non, mais reviens, comment je te tue moi si t'en vas. Ah, il fait quoi? Il ne veut pas mourir. Putain, je sais pas viser. Hein. Ça, par contre, vous sentez bien que c'est pas le genre de jeu auquel je joue d'habitude. Hein. Puis ma souris, elle bouge tout doucement. Faudrait peut-être que je vois. Ah, merci pour ton 23e mois d'abonnement Twitch Prime, Plavos. Et du coup, j'ai reçu. Attends, faut que je te montre. J'ai reçu une émoticône gratuite. Regarde comme elle est mignonne. Merci. Ah oui, non, mais alors le moment de l'enveloppe. En plus, moi j'étais à moitié AFK. Je faisais mes réglages et tout. Elle me prenait vraiment pour un débile. C'était trop drôle. Est-ce que je peux régler la vitesse, la sensibilité? Ah bah voilà. Parce que je vous avoue que. Je crois que ça se met dans ce sens-là. Hein. Je la trouve un peu lente, ma souris. Ah. Bon, c'est un peu plus. C'est peut-être un peu plus dégueulasse pour vous, mais c'est un peu plus agréable pour moi. Alors, on avait dit, par ici. Voilà, je me souviens, ça y est. Je pense que la semaine prochaine, j'irai un peu mieux. Et j'essaierai de faire peut-être plusieurs streams sur ce jeu, parce que vraiment, je l'aime beaucoup, j'ai un gros coup de cœur. Or que c'est un jeu totalement par hasard. Moi, j'étais sur Epic Store, ils m'ont dit, tiens, t'as un coupon de 10 euros. Et je me suis dit, bon, bah, je vais regarder ce que je peux choper avec le coupon de 10 euros. Il y avait ce jeu-là en promo, et... Ah, je crois qu'il y avait un Alien qui a peur. Ah! Salut! Bah, parce que grâce à toi, ton abonnement, on a gagné des emojis. Je sais pas pourquoi, il y a des événements en ce moment. Donc, merci à toi pour ton resub qui a donné des emojis à plein de gens. Hop là! Ah oui, il y avait un système de. Alors attendez. Voilà, il y avait un système comme ça où on pouvait scanner et je crois que je pouvais faire comme ça. Ok, il faut que ça me revienne. Je sais pas si j'avais tout regardé par ici. Tiens, j'avais pas regardé ça. Oui. Statue imposante, ok. C'est vrai que c'est une grosse statue. Alors, nous on allait là-bas de mémoire. Piou! Alors je m'étais arrêtée par là, hein. Je crois que j'avais pas été plus loin. Donc j'ai même pas exploré le coin là. Je sais pas s'il y a quelque chose, mais non, ça s'arrête là. Il faut que je pense à chercher les bouboules oranges là, qui me donnent de la vie en plus et tout. Voilà, je m'étais arrêtée ici exactement, j'avais pas été plus loin. Il y a un secret à proximité, très bien, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas de problème. C'est pas par là là? Non, je crois. Ok, alors, moi techniquement. Oula, non, c'est pas ça que je voulais faire. Techniquement, je suis censée aller par là. Ah, c'est là-haut. Comment on va là-haut? Et là-bas, il y a un truc qui. Ouh, ok. Mais il y a tout qui est en hauteur en fait. Je suis paumée. Je sais pas si je suis allée au bon endroit. Oula, là, regardez ça là. Il y a un truc qui fait du jus. Attendez, on va aller voir. Mais j'ai peur qu'il y ait des trucs hostiles dans le coin. Je suis pas bien. Mais il y a un truc là-haut, là, qui... Ici, ici. Ok. Pas de problème, tout va bien. Alors, voyons voir. Ça, ça ne se scanne pas. Très bien. Bonjour, les petits machins. Comment vous allez? Il y a un truc qui grogne. Moi, j'ai peur, hein. Alors, ah oui, là, fallait que je balance un truc. Oh, comment j'avais fait?
Est-ce que j'avais une touche en particulier pour... Fallait que je lui tire dessus? Bah non, parce que je lui tire dessus, ça le tue juste. Oh, attendez, faut que je me souvienne des touches. Ça, c'est un appât. Si je le balance... Non. Comment on le balance déjà? Ah, oh, t'es revivant. Coucou. Alors attendez, je vais re-regarder les contrôles parce que je ne me souviens plus. Ça fait un peu trop longtemps, c'est pour ça que j'aimerais bien y jouer plus souvent. Je vais faire peut-être plus de streams sur ce jeu la semaine prochaine, histoire de pas me... Parce que moi j'oublie. Hein. Utilise un outil, c'est A. Ah, ok. Par contre, il n'y avait pas... Ah si. C'est ça, fallait que je lui shoot dedans. Donc, ah bah lui, il est bien lui là. Ah bah lui, il est encore mieux. Arrête de bouger, t'es parfait là. Non, il a bougé. Faut que je te mette une claque. Oh oh. Oh non. Bon attendez, il faut que j'apprenne à jouer au foot. Et si je balance un appât, je sais pas si ça va marcher. Très bien. Et il se fait aspirer. Oh, c'est du génie. Ok, cool. Par contre, attends, parce que ça, ça me... Il vient de faire caca, là! Oh, c'est trop cool! Coucou! Enfin, c'est trop cool, enfin, c'est... Merde, je fais pas gaffe à ce que je dis, moi. Oui, c'est trop cool qu'il fasse caca, je sais. Je... Tant pis, je l'ai dit. Ah, ça doit être ça, les secrets, mais... Aux explosions. Mais j'ai pas encore de truc pour exploser, c'est ça. J'ai pas encore de truc pour faire des explosions, donc on verra plus tard, on s'en fout. Ah, voilà. Ah non, faut que je le mange, c'est vrai. Très bien, ça. Ah, j'ai plus d'appât, c'est con, je vais devoir shooter dedans. Oui bah hein, c'est bon hein, mais c'est pas ce que j'ai dit d'abord. Attends, on va jouer au foot. Non, c'était ça. Là t'es dedans là, voilà, c'est bien. C'est horrible. Je culpabilise parce que finalement, enfin, à part les espèces de méduses là, les bestioles elles sont pas méchantes quoi. Je suis une horrible personne. Après on va dire que c'est pour la bonne cause. C'est pour la mondialisation et l'exploration spatiale. Bonjour. On est où là? Il y a un truc qui grogne, moi j'aime pas. Mais après je me dis tant qu'il y a les petits machins, c'est qu'il n'y a pas de bestioles méchantes, tu vois. Parce que les bestioles méchantes mangeraient les petits machins, je suppose. Ça c'est du caca là que j'ai, moi je crois. C'est quoi? Masse gélatine. Oh, je le tiens du bout des doigts. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Je sais pas. Ouh, il y a des trucs là qui ont pas du tout l'air dangereux si on y touche, si. Quoi? Molotov tastique? Attends. Plante à grenade. Oh! Cette plante sécrète de la lave fondue avec des améliorations correspondantes. Il est possible de la lancer dans, de la... Attends, de lancer de la lave sur les gens pour les détruire. Oh. Ça, c'est quoi? Plante à grenade à dos. D'accord. Toujours moins explosif qu'un ado humain, étonnamment. Ok. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Là, il y a un autre truc, là. Peine de silicium. Ok. Quelle horreur. Alors, comment ça fonctionne? Prendre. Très bien. Par contre, ça... Je crois que ça allait m'exploser à la gueule. Hein. J'ai paniqué, mais je crois que j'ai bien fait de paniquer. Ah, c'est là-bas, les trucs qui jutent, là. Je sais pas si... Ouais, non, je peux pas zoomer plus. Mais, ok. C'est quoi, ça? Pic au bulbe. La défense face à l'attaque, face aux épines qui finissent dans ta face, essaie de viser son cœur lorsqu'il ouvre sa coquille. Moi, je veux lui exploser la tronche parce que ça me fait peur. Est-ce que je peux? Boum! Boum? Non.
Bon, attends. Bonjour. Ok. Bonjour. Tu veux une crotte de nez? Ah! Oh! Ah! Putain! Ok, ça m'a fait peur. Tout va bien, je vais bien. Ouvre-toi! Très bien. Ah, j'ai ramassé de l'aluminium. Oh là là, ça y est, on commence à rentrer en contact avec des trucs hostiles. Je me disais bien qu'il n'y avait pas de petits trucs mignons par ici. Par contre, ouais, ça serait plutôt par là-bas qu'il faudrait que je me rende. Je vais juste aller voir de l'autre côté, là-bas, si je peux pas ramasser autre chose que je n'aurais pas vu. On sait jamais. Ah, il y a une petite grotte là, non? Un refuge sûr pour les carambouilleurs qui peuvent y stocker leurs gains mal acquis. C'est quoi un carambouilleur? On y va? Je vais me faire bouffer, je vais avoir un jumpscare de monstre. Je peux pas y aller? Quel dommage. Ouh! J'ai envie d'aller là-dedans. Je peux pas, hein, mais... Je suis sûre que ça vient de là-dedans, les grognements. Ok, alors attendez, on va déjà prendre de la santé, hein. Ah peut-être avec un boum boum là. Oh là là, quel enfer. Cours, lance. On tente, hein. Non. Mais c'était une bonne idée, Spectra, j'y avais pas pensé. Mais non. En tout cas, s'il y avait un truc dedans, bah il y est plus. Ah bah il y en a là aussi. Non mais je pense que vraiment il doit peut-être avoir un... Oh, mais j'ai pas d'appât, peut-être que si on balance un truc devant il se passe quelque chose, mais là ça me fait délirer comment il tient la crotte de nez là. Bon, alors première étape, on va aller rentrer en contact avec ça parce que c'est un téléporteur ça je crois. C'est quoi qui m'arrive? C'était quoi ça? J'ai mal parce qu'il y a un... Ah, ça pique? Attends. Non. Bah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est peut-être eux là-bas, d'aussi loin? Oh, il y en a partout, quel enfer. Oh, attends, on va s'en débarrasser d'abord parce que... Vas-y, Sésame, ouvre-toi, pardon. Allez. Je suis pas assez prêt pour que tu t'ouvres, c'est ça? Tu veux que je te mette une baffe? Effectivement. Wow, c'était juteux, ça. Oh lolo, ok, bon, on a récupéré tous les machins, là. Très bien, pousse-toi. Est-ce que ça, c'est quelque chose à scanner? Oui, effectivement. Oh. ça me plaît ça. Trop bien. Pardon. Bonjour, j'ai tout fait péter. C'est quoi ça? Je pense qu'il est trop loin pour que je le scanne. Non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Après, s'il me repère, ça fait quoi? Sésame, explose-toi, mais complètement. Je peux peut-être le scanner. Non, je peux pas, hein, d'ici. C'est dangereux, parce que je vais tomber. Mais non, je ne peux pas. Je peux pas le scanner. Par contre, est-ce que je peux le faire péter? Attends. Non, parce qu'un truc comme ça, c'est forcément méchant, de toute façon. Hein. Oh, oh. Meurs. Meurs. Boum. Boum. Wow. Ok. C'est pas cool.
Ça a pas l'air cool. Ah, il y a la jauge de détection au-dessus. Ok, très bien. Là, j'aurais voulu le faire péter, hein, mais j'ai raté mon coup. Ah, oh, j'aime pas ce genre de truc. Bon, c'est pas grave. Hop, téléporteur supplémentaire. On est bien là. Donc là, moi, du coup, il faut que j'aille par là-haut. Il y a aussi par là qui m'intéresse. On va aller après, je suppose. Mais t'as vu ça, l'œil là, c'était un peu... Un petit peu dangereux. Ouh là là, alors attends. Ne rate pas ton coup, on compte sur toi. Hop là. Le problème, c'est que dès que je vois un truc, voilà, j'ai envie de le scanner parce que je sais pas si ça se scanne. La caquenoix, ça ressemble un peu à une noix de cajou. Je gage que tu ne savais pas que les noix de cajou poussaient au bout de gros fruits bien laids. Et... D'accord, c'est juste décoratif, visiblement. À moins que ce soit sur le dessus. Non, bah non. Ok. Alors. Certaines créatures... Oh, attends. Si tu peux l'utiliser horizontalement pour esquiver les créatures un peu trop agressives. Comme celle-là, par exemple. Ça, là, ça, c'est agressif. Ouh, putain! Vous l'avez vu, lui, là-bas? Ok. Alors, attendez. Croupie. On va scanner avant. C'est terrible de gaspiller un cerveau. Ce coffre ivoire a tissé un lien avec toutes les créatures environnantes. Tue ses sbires pour récupérer son butin. D'accord, on va falloir tuer ce machin-là. Si je tais-toi, je mettrai quelque chose de bien scellé entre moi et cette chose. Ok, alors j'aimerais bien le lire, mais... Bon, pas bien grave, on va... On va le recroiser. Hein. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? Te déteste, ne te connais même pas, te déteste quand même. On devrait concentrer nos attaques sur sa queue. On dirait que son point faible. Très bien, merci beaucoup. Alors, souhaitez-moi bonne chance. Parce que moi, les trucs comme ça, ça me fout les boules. La queue! Viens, vas-y, viens. Oh, 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 oh. Ok, 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 c'est Sonic. Ok. Ah, ah. Caca! Je suis pas du bon côté de la queue, c'est ça? Oh là là, il va m'en foutre tellement plein la gueule quand il va sortir de là, lui. C'est bon. Non, il est mort, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort. Caca! Voilà, c'est bon. Recharge, recharge, recharge. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Oh là là! Il est beau, hein! C'est une belle bête, hein! Mais C'est quoi cette merde? Oh putain. Ok. Oh là là, il y en a un autre, c'est ça? Ça fait mal, hein! Ça fait mal, hein! Hop là! Tiens, la crotte de nez! J'ai peur! Au secours! Je vais mourir. Oh, il faut que je ramasse de la vie. Comment on fait? C'est ça. Hop. Ok. Il n'y a pas de truc pour faire boum boum par ici? Non. Casse-toi! Toi aussi, casse-toi! Je vais mourir. Je vais y arriver, je vais y arriver. On va prendre son temps et puis on va s'en sortir. C'est juste que là, j'ai rien du tout pour les stopper. Donc je suis un peu dans la merde. Il faudrait que j'arrive à retrouver des petits caca. Donc on va repartir là-bas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux pas les attirer vers les trucs qui explosent? Ah non, parce qu'ils peuvent pas aller là. Je pense. Vous pouvez venir ici. Ah oh, si, ils peuvent venir ici. Salut. Non, tu viens pas. Il vient pas. Est-ce que je peux lui exploser ça à la gueule? Attendez, hein, parce que là, je fais des tests. Ah, c'est un peu loin. Ouais, c'est un peu trop loin. Alors, on réfléchit. On prend le temps, tout va bien. Il n'y a pas de problème, là il est loin, il m'attaque pas. Par contre, j'ai pas de quoi me soigner dans le coin, c'est un peu chiant. Boum! Là, ça fait boum, là. Non, ça lui fait rien, sérieux? Oh. Trop pas cool. Bon, attendez. Je dois avoir des trucs qui traînent par là qui peuvent me servir.
c'est quoi ça? Je crois que les graines que tu viens de ramasser proviennent des plantes en forme de mollusques qu'on a vues tantôt. Je me demande sur quoi elles poussent. Ok, c'est des plantes grappins, donc c'est pas ce dont j'ai besoin pour tuer des bestioles. Moi, je veux tuer des bestioles. Il me faut des plantes bobos, tu vois, des plantes bobos. Non, mais non, moi je veux des plantes caca. Tu sais, les petites crottes, là. Y a rien, hein. Faut que je reparte encore en arrière. Oh non, la flemme. Non, c'est des plantes grappins, machin. Ok, bon. Bon, on va se marrer, hein. On va essayer de survivre. Au pire, la fuite est une solution. Planète hostile, là. Ils m'envoient ici. Et puis, ils me disaient, bah, tu te démerdes pour rentrer. Et puis, t'essayes de pas mourir, surtout. Hein. Graines à grappin, on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout. Ah, là-bas, il y a un truc, là-bas. Fait repérer, c'est ça? Ouais, il était juste là. Ok. On court. Je veux récupérer ce truc. Ah, casse-toi! Oulala. J'ai les petits caca. Tiens. Pas bouger. Ah merde, c'est moi qui suis dedans. Enfin, lui aussi. On y est tous les deux. Hop. On sait bien, c'est que ça se souvient de sa jauge de vie à lui. Hein. Je me suis éloignée, mais... Tiens, caca. Voilà, il faut juste que j'arrive à me remettre derrière. Ok. A plus, Judas. Ok, très bien. Donc, du coup, c'est pas mal. C'est-à-dire que je peux me casser, me sauver. Et merde, je l'ai énervé. Hop, de la vie. Hop là. Ah, merde. Tiens, du caca. J'ai raté mon coup. Ou pas. C'est bon. Ah, merde, j'ai pas rechargé... T'es où? Monte ta queue, là. Voilà. Très bien. C'est bon. Eh ben, putain. Alors, ces petits trucs-là, les petits caca, très précieux, hein. Très utile. Surtout quand t'as Sonic qui débarque sur toi et qui te fait peur, là. Ok, tout va bien. Alors... Et ben on va faire ça tout de suite. Parce que je me dis que là, du bon équipement, je vais en avoir besoin. Oh non, mais le stress. Après, on va devoir affronter ces machins là. Quoique, je me demande si c'est pas plutôt utilitaire. J'ai l'impression que tu vas aller dedans et pioup, ça va te monter là-haut. Et pioup, ça va te monter là-haut. Ouais, je pense pas que ce soit méchant. Oui. Puis on sait que les petits caca violets, c'est important. Hop. Tu peux fabriquer une amélioration, si ça te tente. Oui, ça me tente, bien entendu que ça me tente. Tais-toi. Voilà. Alors, pif. Alors ça, j'ai pas encore, malgré que j'ai trouvé des petites plantes grappins. Donc du coup, il va falloir que je teste ces petites plantes grappins, voir ce que c'est exactement. Ça me permettrait d'avoir 5 petits caca violets au lieu d'en avoir que 3. Bon, j'ai pas encore ce qu'il faut, mais très intéressant. Donc ça, je peux pas encore. Et du coup, au niveau des armes, je peux fabriquer 2 trucs. Mais après, si j'en fabrique un, je fabrique pas l'autre. On va faire dégâts amplifiés en priorité. Et puis ça, il me faut quoi? Ok. Ok. Bon, ça, après, il me faut juste des trucs bleus et ça peut aller se chercher assez facilement avec les petits oiseaux, là. On va les buter, des petits oiseaux, même s'ils sont mignons. Parce que là, ouais, je peux rien faire de plus.
Ok, très bien. Alors, on va aller tuer des petits oiseaux. C'est horrible de dire ça comme ça, mais... écoutez, c'est la dure loi de la survie, hein. Moi, j'ai besoin de carbone. Donc, voilà. Maintenant que les réparations sont en cours, il est temps de commencer l'exploration. Comme l'indique le manuel de l'employé section 23-498-YA, tu dois répertorier la faune et la flore de cette planète, explorer tous ses recoins... Ah oui, c'est plus de dégâts, les one-shot. ...pour une éventuelle colonisation humaine. On n'est pas en mesure de dire quel genre d'obstacle tu vas rencontrer, mais plus tu fourniras de données à Kindred avec des outils de scan, plus on sera capable de t'envoyer des schémas. Okay. Tous les employés de Kindred, biologiques et autonomes, on te souhaite bonne chance. Ouais. Les cartographes ont identifié une série de structures très inhabituelles sur cette planète. Les données qui faisaient état d'une planète orpheline étaient donc erronées. C'est une découverte qui change radicalement le cours de la mission. Et même si tu dois continuer de répertorier tout ce qui se trouve sur la planète, Kindred te demande de porter une attention particulière à ce qui pourrait te sembler non naturel ou construit. J'ai placé une balise dans une zone qui intéresse tout particulièrement nos scientifiques. D'accord. Après, la tour, elle est un peu loin, cocotte, hein. On va attendre. Ici, il y avait un alpha. Je veux voir si je suis en mesure de le battre maintenant. Je suppose que c'est lui. Admettons. Je te mets du caca sur la tête. Tac. Paf, paf, paf. Ah oui, du coup, quand j'attaque l'alpha, ils m'attaquent tous. C'est vrai qu'il y avait cette histoire-là. C'est bon? C'est bon. Ok. Et l'alpha, ça donne du silicium. Ok. Tu manges quoi? Bon. Là, j'avais tout scanné. Ouais. Je me demande, alors je me pose une interrogation, je vais aller tester mes petites machins grappins là sur un truc à grappin. Même si j'ai pas de grappin, peut-être que ça s'utilise, tu sais. On va tester. Hop. Genre ça là, si je fais ça. Non. De toute évidence, ça ne fonctionne pas comme ça. Oh, il y a des trucs que j'avais pas vu là. Cool. Diffuse d'épais brouillards de spores hallucinogènes à consommer avec modération. Est-ce qu'on peut aller tester ça? Vas-y. Wow. Salut. Ok. Oulolo. Oulala, oulala, oulala. Il m'arrive quoi? Je vois rien. Je comprends rien ce qui m'arrive. Ok, tout va bien? Tout va bien. Et là, il y a un truc, là, comme tout à l'heure. Ah ben là, c'est très la drogue, bien effet. Là-bas, il y a un truc. Mais qu'est-ce qu'il faut tuer? Bonjour. Alors, on va partir d'ici, parce que sinon, je ne peux pas réfléchir à ce qui m'arrive. C'est un peu compliqué de... Ouh là là, mais c'est super dangereux. Je me demande si ça a un effet sur... si ça a un effet sur les ennemis, ça. Ah, des caca? Non, c'est quoi? C'est des crottes de nez, ça. Bonjour. Oh, trop mignon. Vous êtes mignon. Alors, attendez. Avant d'en tuer. Ouais, il me faut plus de carbone. Alors, comment vous dire? Monsieur l'alpha. J'ai raté mon coup. Non, j'ai pas raté mon coup. J'ai oublié de recharger, comme à chaque fois. Voilà, toi tu meurs. Voilà, vous êtes tous morts. Moi, je récupère le loot. Merci bien. Oh, il y a un œil là. Oh. Oh, Dirk. Merci le loot. Ok, il n'y a rien de planqué par là qui pourrait me servir. J'ai pas l'impression. Est-ce que je peux grimper là-haut? Oh putain, il y a un truc hallucinogène là en plus. Ouais non, je peux pas encore. Aïe. T'es né drogué, bah oui complètement là. Paf. On se soigne, tout va bien, on a plus mal. Par contre, ça repop pas, c'est marrant ça. Attends, petite question. Ah, ça, c'est un truc qui se scanne, ça, mais je suis pas du bon côté. Mais j'ai l'impression qu'il y a un gros œil. Genre l'œil qu'on a vu tout à l'heure, je me demande si c'était pas ça.
mais c'est difficilement atteignable au niveau du visuel. Alors déjà on recharge. Ah oui, c'est un espèce de gros. Oh, c'est une orbe. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, 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 pas de drogue, pas de drogue, ça suffit. Voilà. Bouton coffrivore. Certaines personnes aiment même voir des boutons éclater, des gens sont bizarres. D'accord, donc là, le coffre, là, pour l'ouvrir, il faut utiliser des boutons. Ah, donc je peux peut-être me démerder pour y aller. Bon, attendez, un petit coup de drogue. Mmh. Oh là là, non mais quel enfer. Mais alors là, c'est pire que la vision nausée dans Minecraft, quoi. Quelle horreur. Moi, j'y vais pas là-bas, hein. Je vais pas y arriver, hein. On verra plus tard. Hein. Du coup, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui. Donc on va retourner. T'es drogué mais raisonnable. Oui, je fais attention. Pourquoi tu vas vraiment refaire des petits caca? Ah, je vais reprendre aussi des appâts ou un appât. Je sais pas combien. Je crois que j'en ai droit qu'à un seul à chaque fois. Mais ah, je peux en prendre trois. Ok, parce que c'est quand même pas mal utile. Hein. Au final, hop. Vraiment cool ce jeu, franchement. Oh putain. Ça suffit. C'est bon? Alors. Est-ce que j'ai quelque chose? Non. Très bien. Alors. Permettre de prélever un échantillon vivant d'un tissu vivant. Appuie sur A pour piquer lorsqu'une créature approuvée approche. Pour la science, eh bien allons-y. Après, faire des petites piqûres aux petits oiseaux, ça va, mais faire des piqûres à Sonic là, on en parle ou voilà, c'est quoi ça, magnétruc précieux? Oh, c'est pour attirer plus de, enfin le butin. Ok, ça c'est cool, ça je veux. Alors c'est ça, surcharge ton pistolet pour infliger un tir unique aux dégâts amplifiés, appuie sur R lorsque l'arme est totalement rechargée pour l'activer. Ok, bah go. En gros, le premier tir que je vais faire avec mon arme va faire super mal, donc contre les grosses bestioles là, comme on a eu avec le Sonic là par exemple, bah, c'est pas mal. Très bien. Allez, on repart au niveau des quêtes. Alors on a ici, il y a une quête. Ici, il y a une quête. Inspecter la tour. Non, on va d'abord faire ça. Petite quête secondaire d'abord. Ah, c'est là ma petite piqûre. Là. Enfin, petite piqûre. Vous avez vu la taille du machin là? Ok. Alors, voyons voir. Nous, on fait du coup. Je crois que c'est la quête aller plus haut qu'on est en train de faire. Hein. Non, c'est pas celle-là. C'est aussi loin que ça? Enfin, aussi loin. C'est en bas? Il me semblait que c'était plus haut. Allez, on va aller plus haut, justement. Attends. C'est où? Parce que sinon, on a ça, là-bas. Ah, mais c'est peut-être celle-là, elle est plus haut, maintenant. Vu qu'elle est sélectionnée, peut-être qu'elle a changé de couleur. Oui, c'est ça, ok. Donc, attendez, quoi? Ah non! Ah bah non! Ah, ça, on va tester si ça vide mon chargeur en entier. Piou! Non? Ça a pas l'air. Pas
Par contre, c'est un temps de rechargement. Ok, par contre, ma quête, elle m'emmène là-bas. Mais comment vous dire? Ah, il y a un QTE. Ah, j'ai pas fait gaffe, faut que je revérifie. Comment vous dire? J'ai pas trop envie d'aller là-bas, moi. Non, attends, si je fais ça, que je fais ça. Boum, boum, le méchant. Boum, boum, le méchant. En colère, le méchant. En colère. En fait, tant que je sais pas c'est quoi son point faible, ça va être très compliqué, mais enfin... Il fait tout exploser, lui, c'est ça, hein. Mais c'est impossible à esquiver, ça. Puis comment je peux m'approcher de lui? À part là, peut-être? Oh, mais c'est dangereux, ça! Attends, ah si, je peux m'approcher par là. Attends. Ah oui, d'accord, j'ai vu. Très bien, j'ai vu. Ok. C'est pour ça qu'il a grogné. Ok. Alors, attends. Je peux toujours pas le... Ah, j'y suis presque. J'y suis presque. Alors, attends. Admettons. Hop, 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 hop. Attends, parce qu'il faut pas qu'il me voit. Hein. Quoi? Faut que je le... Ah, putain, il va falloir que je le tape au corps à corps. Pour le moment, il me voit pas. Moi, j'essaierai... Je voudrais le scanner. Ah, je peux. Ne crains pas les balles, souffre d'anxiété sociale sévère. Tactique recommandée, furtivité, thérapie. Ok, ben, on va s'amuser alors. Hein. Bon. Si je meurs, sachez que bah j'aurais été heureuse de vous avoir connue. Voilà. Tourne ta tête. Là, il me voit pas encore, j'ai l'impression non plus. Hein. Faut que j'arrive à le... Voilà, là, il peut pas me voir. Là où je suis, il peut pas me voir. Ok, très bien. Mais quel enfer. Parce que... En plus, il se déplace super vite. Là, je peux pas y aller. Il faudrait que je tourne là-bas, que je cours là-bas. Oui, oui, oui. Vous sentez le fail? Moi, je le sens. Hein. Oui, je cède toute ma fortune à Mocha. Vas-y, tourne-toi. Cours, 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 cours. Il m'a vu. Il m'a vu, mais il est pas sûr. Ok. Oh putain, il va me voir. Non, je me suis trompée de bouton, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, oh. Oh lolololo, oh lolololo. Je suis cachée. Là, tu me vois plus, je m'en fous, tu me vois plus. C'est quoi la touche pour taper au corps à corps? C'est ça. D'accord, c'est E, c'est pas R. Ah d'accord, ouais, non, ok, il est vénère, quoi qu'il arrive. Merci, Echo. Ok, bon. Il est rapide, Bidule, là. Hein. On va y arriver. J'ai compris ce qu'il faut faire à peu près. Je pensais que juste une claque, ça allait suffire, mais j'ai l'impression qu'il faut que je mette... Oh. Ça, cette pub, là, elle est horrible. Regardez-moi ça, là. Ça me dégoûte. Quelle horreur. Oh là là. Oh là là, non mais... Bon après, c'est ce qui fait tout le charme de ce jeu aussi, hein, on peut dire, mais... Hein. Bah le problème c'est que c'est super dur de choper dans le dos parce qu'il... Enfin je trouve qu'il tourne super vite la tête. On va tester, hein, on y retourne. Hein. Après, est-ce que je peux l'immobiliser dans du caca là? On n'a pas testé ça non plus. Bon, attends, parce que de toute façon, on sait que pour le moment, il nous repère pas. Genre au début, il est un peu mauvais. Genre là, paf, voilà, il me voit pas. Après, je peux essayer d'aller là-bas. Parce que j'ai l'impression qu'il tourne beaucoup plus sa tête par là. Ah non, il va par là aussi, hein. Ok.
Ok, il m'a pas vu. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. Ah, peut-être que je le tape dans le cul, là. Vous voyez ça, là? Le truc qui dépasse. Mais est-ce qu'il faut que je me déplace comme ça, tout doucement, ou il faut que je cours? Est-ce qu'il m'entend si je cours? On va tester. Parce que faut quand même être rapide, hein. Attends, là, je suis derrière, du coup. Attends. Oh! Bon, bah, il est mort. En fait, c'était plus simple par ce côté-là. Bon. Le placement que tu cherches est dans cette grotte. Fais attention, je détecte des instabilités sismiques dans la zone. Super, rassurant. Effectivement. Alors, scan. Ça se scanne pas, ça? Ok. Très bien. Alors, il y a des trucs qui font boum boum. Très bien. C'est joli, hein. Je fais du tourisme. Je suis tombé sur une grosse bestiole encore qui va me bouffer, là. Je regarde si je vois des trucs un peu spéciaux. Je vais pas avoir le choix que de sauter en face, je pense. Comment ça? Oh putain, c'est quoi ça? Cours, 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 tu te casses, tu te casses. Faut qu'on analyse la zone avant. Faut qu'on les scanne, ces trucs. Qu'est-ce ici? Il m'attaque. Ah! Bonjour. Ok, je l'ai eu. J'aurais bien aimé le scanner, mais... c'est un peu risqué, mais... écoutez. On peut tenter, hein, pour le fun. J'arrive pas à le scanner. Attendez, je veux qu'il m'oublie parce que je voudrais le scanner. Parce que bah il faut que je scanne des trucs. C'est quand même ma mission principale. Ça y est, il m'a oublié? Non? Et si je me mets comme ça, genre là, tu me vois plus. Là, je suis cachée, là. Non? Je suis pas cachée. Non, mais il me... Ah, là, il me voit plus. Si, il me voit toujours. Mais c'est pas possible. Ou alors il peut pas oublier parce qu'il est trop colère. Il y a peut-être de ça aussi. Coucou. Voilà, voilà. Où il est? Bon. Bah écoutez, après je vais peut-être en croiser d'autres à l'occasion, mais j'avais pas vu qu'il... C'est vrai que c'est possible, enfin tout est possible ici. C'est vrai que bah, j'ai pas pensé à regarder en l'air, mais j'aurais dû. Il n'y en a pas d'autres, c'est dommage. J'aurais bien aimé les scanner, ça avait l'air d'être rigolo. Alors. Très bien. Est-ce que je peux envoyer ça? Non. Donc ce qu'on va faire, c'est... On va sauter ici. On va sauter là. Alors. Ça, on ne sait pas. Du coup, on va récupérer les trucs qui explosent. Voilà, et on va le balancer là-bas. J'ai mis trop loin, c'est passé à travers. Oh non, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Des trucs qui sont au plafond encore? Non, c'est bon. Oh, c'est joli ça. Bonjour. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne, je crois. En tout cas, je vois rien. Ah, ça, j'aime bien ça. Ah, attends, mais... Ah, merde. Ça se scanne plus, je suppose. Ah, mais si, c'est bon, j'avais déjà fait. Ok. Ah, il y en a un là, là. Ça, c'en est un, ça. Ouais, c'en est un. Est-ce que je peux le scanner d'ici? Non? Ah. Oh! Trop mignon. Ce vagabond reclus préfère se cacher dans une grotte bouillante pleine de lave que se faire face à des étrangers. Boum et bang, ermite. Ok. Bon. Alors, il y en a un là, il y en a un là. Je crois que je peux pas lui faire de dégâts. Ça renvoie tout. Ouais, il faut qu'il m'attaque, en fait. Ah, oh, c'est chiant, ça. Bonjour? Non, toujours pas. Hello? Ouais, ça renvoie tous les tirs que je fais. Très bien. Alors. Ça va être la panique dans pas longtemps. Hein. Ça y est. Voilà, hop, ça c'est fait. Malheureusement, là, les machins... Oh, putain. Ok. C'est bon? Il y en a un là-bas, là, non? Il y a un truc là-bas. Il s'en est un, ça.
Bon, je disais, il y a des trucs qui sortent de la lave, comme dans un niveau de Mario, là. Mais le problème, c'est que je suis pas aussi agile que Mario. Ah non, c'est des petits oiseaux. Ça, ça va. Ça, c'est gentil, je crois. C'est con. Ah, j'aurais bien aimé les récupérer, hein. C'est frustrant. Bon, alors attends. Oh, 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 oh. Bonjour. Je veux pas mourir. Je ne souhaite pas. Je vais mourir. C'est bon. J'ai survécu. Hop. Bonjour les petits oiseaux. Ah, ça c'est bien ça. Ça on aime. Ah. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié que ça faisait pousser des tumeurs. Je... Oui, trop bien. Je les avais déjà scannés, eux, je crois. Je vérifie, mais oui. Maladif, mais ils t'aiment quand même. Écoute, je peux pas leur faire du mal. Hein. Ils sont trop mignons. Bon, alors. Il faut que je saute de lui à lui et de lui à lui. Ça va, je te... Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là, c'était risqué, ça c'était très risqué. Oh, ça, ça aussi c'est très risqué. Tout va bien. On attend que ça repousse. Pas que ça... Hop, oh, 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 oh. Hop là. Ah, ça s'appelle avoir chaud au cul. Très bien. Attends, c'est un cul-de-sac? Oh non. Oh non, tu te moques de moi. Mais... Mais moi, je ne veux pas faire le tour. Là. Mais du coup, faut aller où? Ah, peut-être par là. Attends, rien. Ah oui, il y a un truc par là. Ok, très bien. Très très bien, je le vois. Hop là. Et là, on va par là. Ok, cool. C'est quoi ça? Oh là là, ah non mais... Pff, attends, j'ai fait le tour? Non mais vraiment? Genre attends, moi je viens de là, on est d'accord. Oui, je viens de là. Oh non. Bon attends, parce qu'il y avait une autre zone du coup, j'ai vu. On va se soigner déjà, chaque chose en son temps. Et du coup, on peut aller par là. Finalement, est-ce que ce serait pas là-bas le chemin? Moi, je dois aller là-bas. Ah, et là-bas, c'est par là. Non, déjà, on check les plafonds. Il y a... Avec le... Saloperie de bestiole. Tu fais quoi, là? Hein? C'est bon? Il y en a un. J'en ai vu un, en tout cas. J'aimerais bien réussir à le choper, mais... Ah, il y en a un autre, là. Et coucou! Tu m'attaques? Ah, bah, t'es mort. Pourquoi lui il est mort et l'autre non tout à l'heure? Peut-être que je le tirais dessus de trop loin, il faut être prêt peut-être pour leur tirer dessus. On voit rien du tout. Il y a des trucs là-bas. Là-bas il y a des trucs qui font boum boum là. Non, je sais pas si ça explose ça, non? Je vois pas très bien. Alors là il y a des petits trucs de vie, on s'en fout. Là il y a lui, il fait ses alertes. Ah bah tiens. Non, tu veux pas... Pourquoi j'ai réussi à voir l'autre tout à l'heure et pas lui? Ah, c'est peut-être juste au moment où il allait partir? Bizarre. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Où tu es? Où il est? Là-bas. On se prépare. Vas-y, viens. Ok. On va aller voir un petit peu... Oh putain, j'avais oublié que ça faisait ça. Je vais mourir. Je vais mourir. Ah, les deux. Je suis morte. N'oublie pas, t'as fait ton mieux. C'était pas la grosse affaire, mais t'as fait ton possible. Hé, mais... hey, t'as oublié le placement pour les grappins. Genre que c'était un peu comme le but de toute cette expédition-là. Je vais la tuer. Je sais pas où tu es exactement, Echo, mais je vais te désactiver.
On va y retourner, on va y arriver. C'est quoi ça? Oh là là, mais j'ai plein de trucs partout. Bon. Ah, c'est ça que j'aurais dû faire quand j'étais avec les petits oiseaux mignons. J'aurais dû les piquer pour voir si ça faisait un truc. Oh non, il est de retour, lui. Hey, mais lui, je peux peut-être le piquer aussi dans le dos si j'arrive à m'en mettre derrière. On va tenter. Attends, j'essaie de comprendre ce qu'il fait comme mouvement. D'habitude, il fait pas ça. Vas-y, tourne-toi. Cours, 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 cours. T'es caché, t'as rien vu. Ok. Ok, là, je suis derrière. Du coup, est-ce que je peux le piquer? Non, ça se pique pas, ça. Ça se pique pas. Ok, bon, bah, ça se tue, alors. Hey. Très bien. Je crois que si tu meurs un certain nombre de fois, t'as des trucs qui se passent. Bah, j'ai l'impression que là où je suis morte, il y a un truc. Je suis pas très sûre, mais... Alors, est-ce qu'ils sont revenus? Effectivement, bien entendu. Ça aurait été trop beau qu'ils ne reviennent pas. Bonjour. Bonjour. Non, tu veux pas. Allez, viens. Voilà, toi t'es mort. Il n'y avait pas un deuxième ici au début? Peut-être pas réapparu. Ah mais j'ai pas vu mais... Hop. J'ai loupé ça. Voilà. Très bien. Bon, on n'est pas mort pour rien du coup. Ok. Ok. Ça c'est bon aussi. Et on repart par là. Alors attends parce que... C'est là-bas. Hein. Je pense que c'est là où je suis morte. J'en sais rien. Attends. Merde, je me perds. Faut d'abord que je passe par là, voilà. Mais le problème, c'est que ah oui, il y a un truc là. Après, ils sont gentils. J'ai l'impression qu'ils font pas réapparaître tous les monstres. Oh là là, ce fut tendax. Tu veux bien viens, allez. Allez, viens. Tu viens, s'il te plaît. Allez. Allez, viens. Je sais que t'en meurs d'envie. Non. Oh, tu me saoules. Et là. Ok. D'accord, donc j'ai récupéré mon butin parce que sûrement bah, j'étais mort et du coup je peux... Par contre... ah, ça y est. Oh, ça, ça m'intéresse. Plus de vie, moins de chances de mourir. Très bien. Parfait. Alors. Mieux. Pourquoi je voulais aller là-bas, moi, à la base? Parce que j'étais curieuse seulement. Il n'y avait rien de particulier. Hein. C'est juste... Ah si, il y a peut-être des trucs. Non, il n'y a rien. Non, ça se... Ouais, non, ça se récupère pas. Et ça non plus, hein, de mémoire. Ok. Là, par contre, je peux tenter un truc. C'est bon, là. Non? Oh, quel dommage. Problème étant. Est-ce que ça, je peux l'attraper et le porter? Non. Parce que là, on aurait été bien en face. Là, on est un peu trop sur le côté, quoi. Ah, non! Quel enfer, je déteste ces trucs-là. Ah! Ok. Alors. Là, il vient d'apparaître, donc je peux le prendre. Là, je peux sauter là. Est-ce que, genre, si je fais ça et que je le balance comme ça, là, ça passe? Yes. Très bien. Alors, attends.
On récupère un petit peu de vie. Parce qu'on est sérieux et responsable. Ok. Alors, toi, tu viens de te lever. Donc, normalement, je crains rien. Et toi, tu bouges pas de mémoire. Ok. Cool, merci. Hop là. C'est bon, j'ai survécu. Bon, ça fait à peu près une heure que je joue. Je me sens de jouer encore un petit peu. Oh là là. Bonjour. Tenebi qui maîtrise l'art de la grenade, contrairement à Santo. C'est pas gentil de parler comme ça à des gens qui sont pas là. Hein. Sanctuaire d'attache protonique. Le cristal niché dans le calice du sanctuaire est extrêmement puissant. Nous pouvons prélever un échantillon et l'utiliser pour créer une attache protonique. Ok, et eh ben écoutez, allons-y. J'en profite pour boire un coup. En espérant qu'on ne fasse pas attaquer par un monstre. Ah, je vais aspirer tout son jus. Mais il travaille pas, Santo, là. Oh, c'est joli. Hop là. Alors. Où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait? Attends, je pense pas regarder s'il n'y a pas des ennemis venus du ciel, là, mais c'est bon. Hop là. Ah! Bonjour! Au revoir. Comment ça, poète, 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 poète? Ok, donc là, c'est là où on était au début. Ok, on vient d'entrer là. Ah ouais, c'est vrai qu'on est dimanche. Ah, il m'a fait peur, mais non, c'est vrai qu'il ne peut rien me faire parce qu'il peut pas se tourner vers moi. Donc là, paf, t'es mort. Hop là, Berk. Je vais en profiter pour aller voir les petits oiseaux, voir si je peux pas leur faire une petite piqûre parce que j'aimerais bien voir comment ça marche ce truc. Je sais qu'il y a des petits oiseaux pas loin. Est-ce que là, on peut faire la piqûre? Non. Ok. Après, ça va peut-être les énerver que je les pique, hein. Faut voir, hein. Je crois qu'il y avait des petits oiseaux par là, non? Je sais plus si, là. Coucou, petit oiseau. Ah! La piqûre, elle veut bien. Pique autant. Ok, cool. Ah, mais attends, j'ai ma quête... Babouchka, brochéron. Je sais plus à quoi ça ressemble. Alors, créature. C'est des proies. Babouchka. Ah, c'est ces trucs-là qui courent. Oh putain, ça va être dur à piquer, ça. Ok, et brochéron, ça c'est un truc agressif, je pense. Créature. Prédateur. Oh non. Oh non. Oh non. Ah si, quoique. Je le fous dans du caca. Je le pique, je me casse. Faire ça, hein. On peut tenter, hein. J'ai combien de caca? J'ai qu'un caca, mais je sais qu'il y en a vers là où il y a les Sonic. Donc, à la rigueur, si je me foire, je peux peut-être quand même rattraper la truc. Hop là. Allons voir. On va y arriver, hein. Il faudrait qu'il y en ait un qui vienne. Je le pique. Paf! Vas-y, viens. Vas-y, viens. Viens que toi. Vas-y, viens. Vas-y, viens que toi. Voilà. Et moi, je vais... Aïe, du caca. Voilà. Et je te pique. Comme ça. Piqûre. Et je me casse. Salut! Hop là! Ça, c'est fait. J'espère que ça a bien compté, je pense que oui. Journal.
Brochet rang terminé. Ok, donc il manque plus que les machins qui courent. Alors ça, on va se marrer. Il y en a par ici, je crois. On va les voir. Après, si je les... Ah, j'aurais dû prendre du caca. Après, je peux peut-être en trouver aussi par là. Hein. Là, c'est quoi, ça? Ah bah, c'est du caca. Voilà. On va bloquer les petits qui fuient là dans du caca. Piou, piou, piou. Voilà, parfait. On recharge parce que sinon on est un boulet. Ah, maintenant il me faut plus que deux coups pour les tuer. Ça, c'est plutôt bon à savoir. Ok. Il y en a un autre par là. Hein. Je l'ai pas vu. Elle est là. Mais voilà, on s'en sort mieux. Franchement, il y a eu du progrès là. Hein. Ah, je parlais trop vite. Très bien. Alors, on a du caca, maintenant faut trouver les machins. Non, j'ai raté. Non, c'est bon, j'ai. N'aie pas peur, je fais juste une piqûre. Je fais juste piqûre. Voilà, c'est tout, c'est tout. Je te jure, je te fais pas mal. Oh, mais regardez comment il a peur. Le pauvre. Ok, alors... Ah oh, d'accord, t'as des petits, des petites. T'as des petites quêtes comme ça. Tue 5 créatures terrestres dans les airs. Ok, t'as des petites quêtes. Genre, je crois qu'il faut que je shoote dedans et que je tire. Mais si, mais je suis un peu mauvaise au tir au pigeon. Non, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Je voulais pas faire ça. Ok. Je veux faire ça et... Piou! 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 Raté. Ok, on va recommencer. C'est horrible. Je... Et de une. Quelle horrible personne je suis devenue. Viens, on fait juste... C'est du tir au pigeon. Piou! Oh non, il m'a regardé en louchant, il était trop mignon. Ah, ah bah là, c'est un peu loin pour récupérer le loot. Bon, ça va. Je suis pas trop mauvaise. Oups. Ah, raté. Mais j'ai été perturbée parce qu'en fait... Salut. Je m'attendais pas à taper dans les deux. Alors, j'ai un petit piou-piou dans le coin ou pas? On a plus de petit piou-piou. On a plus de petit piou-piou. Oh non. Ah, mais salut toi. Allez, plus de tumeurs. On aime ça. Est-ce que ça, ça se shoot dedans? Parce que ça, ça court. Hein. Ah, ah oui, c'est vrai que ça fait ça. Ça se sépare, donc... Bah, ça servait à rien. Ok. Bon, au pire, il y a des piou-piou à la... Ça me fait beaucoup trop rire, ces machins, c'est horrible. Coup de pied? Ah, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, attendez, ça me fait peur ça. Ça me crie trop dans mes oreilles, ça va pas du tout. Ok, bon bah on va rentrer. Et je sais qu'il y a des piou-piou de toute façon juste à côté de la maison au pire, donc... Après c'est une quête très secondaire, donc au pire c'est pas bien grave. Des petits caca, ouais, allez-y. On va rentrer, on va continuer un petit peu cette quête. Hop. Tu peux fabriquer une amélioration, si ça te tente. Mmh. Alors attendez. Non, alors, surtout pas cette pub là en plus. Bonjour, alors, allez plus haut. Ah, un petit grappin, ça c'est bien. Des falaises à pic et grimper sur des cubes qui flottent
Moi, je veux d'abord ça. Je veux d'abord ça. Pour moi, je veux vraiment améliorer mon personnage. Et après, je verrai pour faire la quête d'exploration. Genre aller voir la tour et tout. Alors, de toute façon, faut que j'aille ici. Peut-être que les pupus sont réapparus du coup. Ah, et du coup, là, je peux grappiner. Bon, là, ce serait vraiment le moment idéal pour un bon lancer de grappin. C'est très agréable, effectivement. Alors, voyons voir juste quelque chose. Il n'y a rien à scanner par ici, non. Alors, attendez. Les pioupiou ou pas les pioupiou? Oh, si je croise les pioupiou, je le ferai. Voyons voir. Grappin. Paf. Ça va, c'est assez... C'est assez simple pour se diriger avec le grappling. Est-ce que je peux aller celui-là? Non, hein, je peux pas. Je suis trop bas encore. Ok. Je regarde un petit peu. Hein. Il faudrait, je crois que je dois sauter ici. Ok. Pour aller là? Non, ça marche pas là. Et si je viens, mais je suis là, je peux monter là, voilà. Et là, je peux... Je peux pas choper lui, sous ma gueule. S'il faut que je chope le grappin en sautant, c'est possible aussi, hein. Ok. Ça me fait jouer avec mes doigts sur le truc, mais ça va. Selon... C'est le cas, oui, bah oui. Et là, on aime bien les tumeurs dans ce jeu, c'est pas du tout glauque, tout va bien. Est-ce qu'il faut que je saute sur... Non. Mais moi, je serais bien allée là, en fait. Non, voilà, bah si. Ou alors c'est là-bas? Ah, c'est peut-être là-bas. Très bien. Ok, et là, c'est ici. Voilà. Eh, on est bien haut, là. On voit plein de trucs. Il y a un grappin là. Bon, je peux pas y aller, hein, c'est un peu loin. Mais je crois que c'est un truc à grappin, ça. Du coup, on pourrait aller là-haut. Je suis intriguée hein, par cet endroit depuis le début. Hein. C'est ça que j'entends depuis tout à l'heure. Très bien. Ok. Non, 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 non. Ouh, tout va bien, tout va bien. Ok, là, on monte encore plus haut. Et on a un grappin ici, celui que je voulais aller tout à l'heure. Faut surtout pas que je me trompe de touche. Hein. Je le sens bien, hein, l'erreur de touche. Ah bah voilà! Je détecte dans les environs une source de carburant qui pourrait nous aider avec notre petit problème de décollage et nous permettre de quitter cette planète au plus vite. Si tu la scannes, un des cartographes pourra la rapporter au vaisseau pour toi. Oh non, j'ai raté. Un oiseau, s'il vous plaît. Ah bah là, il y en a un petit oiseau. Et voilà. J'ai terminé la mission, je sais pas ce qu'il faut faire du coup. Je sais pas, ça me l'a enlevé. J'ai pas eu l'impression d'avoir une récompense particulière. Ou alors j'ai juste pas vu. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Alors déjà. Ouf. Ok. Je confirme, t'es devenu une horrible personne. Mais... J'essaye même plus de me défendre. Comment je faisais déjà ça? Ah, comme ça. Alors attends, il y a un truc là qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? On dirait que t'as découvert une pile à combustible dans la tour. Je sais pas vraiment comment elle a pu atterrir là, mais c'est une source de carburant idéale pour les javelins. J'envoie tout de suite un cartographe pour l'extraire. Très bien. Et c'est quoi ce truc? C'est juste décoratif ou... Oui, c'est juste décoratif. Très bien. Donc moi, il faut que je monte plus haut. Hein. Ok. Bah, on va faire ça. Hein. Un scan. Ah, pas con. Après, je sais pas si ça sert que je le scanne vu qu'il y a Bidule qui a scanné. Ah non, ça sert. Excellent. Finalement, on finira pas nos jours sur cette planète infernale. Effectivement. On a réparé le vaisseau, en tout cas c'est en cours de réparation, et maintenant on a du carburant.
Après, est-ce que ça sera suffisant? Je ne pense pas. Mais c'est déjà ça, hein. Attends, je vais ranger mon... Je vais m'armer de caca. Parce que... Si je me fais attaquer par un truc... Putain, je vais m'armer de caca. Non, mais comment je parle, moi? Mais du coup... Si je me fais attaquer par quelque chose, que je puisse lui balancer un truc à la gueule. Ah, il y a des trucs bizarres, là. Ça se scanne, ça. Et ces plantes pourront pas être pollinisées sans graines à grappin. Hein? Oh! Du coup, c'est ça. Alors, est-ce que je peux le lancer Mais je pense que c'est trop loin. Ouais, je suis pas... Ça va pas. C'est pour quand je serai plus haut. Bah, ça s'affiche, mais ça se... Ok, hop. Salut les piou-piou. Alors, attends. Ok. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que t'as? Tais-toi. Très bien. Eh, il y a un cube là. Mais. Le problème, c'est que si je descends, je peux pas remonter. Mais il y a un cube là. Hein. Ouh, il y a une grosse bête là-bas. C'est pas une zone auquel j'ai été encore. On va essayer de se concentrer sur la mission actuelle. Ouais, j'aime bien la destruction un petit peu. Ok, et donc là, du coup, ils vont m'avoir des graines de machin grappin que j'ai déjà. C'est cool. Ok, donc là je mets là. Très bien. Il va m'en falloir plus. Tenez. Là je mets là. Je peux mettre là-haut? Yes. Et là je mets là. Et je sais que je suis capable. Est-ce que là-haut ça va marcher? Ouais, non, c'est un truc trop cool. Parce que, attends. Est-ce que là... Yes. Mais ça passe pas. Il faut que je passe en face, je pense. Aïe. Ok. Par contre, est-ce que... Alors, attends, si je suis là. Ok. Ok. Et là, du coup, il faut que je lance une graine là-bas. Là, ça marche. Très bien. Ah ouais, je peux aller là-bas. Ouais, mais je suis intriguée par ça. Je sais pas si ça sert à quelque chose. J'ai pas l'impression. Non, ça servait à rien. Bon, c'est pas grave. Au moins, on est là. Et de là, on peut aller là-haut. Ah bah si, ça servait sûrement à monter là, du coup. Je suis con. Oh putain, tu m'as fait peur, Pupiou. Très bien. Mais c'est sympa, hein, ce petit système. Ah, un téléporteur. Ça, on aime. Ça, on prend ça. Ça, on apprécie fortement. Très bien. Alors. Non, 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 non. Ok. Pourquoi je suis toujours à inspecter la tour? Moi, je voulais ça à la base. C'est par là-bas, hein. On s'en rapproche tout doucement. Ils ont des crêtes, eux. Ah, oh, mais putain, mais Yastalis, tu es si intelligent. J'y pensais même plus au cube, je l'avais complètement oublié. Alors, attends. Où qu'il était déjà, le cube? Oh, oh. Oh, oh, j'aurais dû faire ça plus tôt. Ok.
Là-bas. Je crois qu'il y a un truc, il faut que je me rattrape, genre au niveau de 50 mètres, mais je crois que je suis pas à 50 mètres du tout là. Là par contre, faut faire gaffe, hein. Non, ça pas, c'est pas 50 mètres non plus. Bon alors qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aurais vu c'est vivant. Il y a un truc qui m'a repéré, mais je ne sais pas quoi. The fuck. Pouh. Non. Bah je crois que je peux pas encore... interagir avec ce truc. Faut que je l'emmène, hein, mais il y a un truc qui m'a repéré, mais je sais pas quoi. En fait, si, j'aurais pu y aller. Est-ce qu'on n'a pas des bombes? Attends, est-ce que ça se prend une piqûre de ça, là? Non, tu veux pas piquer ça. Je te comprends en même temps, c'est un peu bizarre comme bidule, mais... Est-ce que vous voulez gober Je sais pas du tout, je sais pas quoi faire avec ce truc, je pense que je peux pas encore m'en occuper. C'est peut-être un peu trop tôt. Tu veux me gober? Non, il me pousse juste. Bon. Bon, on va remonter, parce que bah je sais pas quoi faire de ce petit bidule. Tant pis. Je pense qu'il me manque quelque chose pour le péter, pour récupérer ce qu'il y a dedans. Mais je crois que pour me TP, il faut que je sois avec un téléporteur. À moins qu'il y ait quelque chose que j'ai loupé, mais j'ai pas l'impression que je puisse me téléporter sans téléporteur. Attends, ma page clavier, est-ce qu'il y a téléportation? Non, je pense qu'il faut que je sois sur le téléporteur pour me téléporter. Après savoir, c'est pas bien loin. Bah oui, mais bon, après, au pire, c'est pas bien grave. Hein. Mais c'était au cas où que ça me tue, au moins, je pouvais retourner là-haut avec un téléporteur. Voyons voir. Je peux aller à celui-là, très bien. Hop. Après, je vais à lui là-bas. Hop là. Et après, je vais là. Tac. Je sais pas si c'était pas hostile, hein, ce bidule. Alors, du coup, on a les pioupiou bizarres qu'il va falloir que j'analyse. On a les méduses, là, qu'il faut que je bute. C'est un peu loin. Voilà, hop. Très bien. J'ai fait elle. Ok. Alors, est-ce que vous êtes des pioupiou méchants? Je pense pas que les pioupiou soient méchants, mais... Un exemple non caractéristique de l'ingéniosité des oiseaux globes, très certainement faillible avec de lourds explosifs. D'accord, et ça c'est quoi? Ça c'est un alpha, ça. Ouais, ok. D'accord, ils sont foutus une armure sur le dos. Ok, tout va bien. Du coup, après, si je veux les buter, faut que j'utilise les explosifs. Bon, après... je peux, hein, regarde. Pouf, boum. Boum. Ah, peut-être un peu loin. Ah non, j'en ai eu un. J'ai énervé le chef. Oh là là, ça c'était la connerie de ne pas faire. Non mais, c'est... On se calme. Tu te calmes. Voilà, hop. Voilà, pouf.
C'est ma foi. Est-ce que si je te mets un appât, tu vas te calmer? Oui? Non? Non. Apparemment pas. J'ai énervé tous les oiseaux du coin. C'est bon? C'est bon. Je suis vivant. Ok. Oiseau avec armure, pas cool. Par contre, ça très cool. Bonjour. Je ne te ferai plus de mal. Je cherche un truc pour me soigner, mais j'en vois pas. Il y en a peut-être près du téléporteur, j'ai pas fait gaffe. Non? Non. Non, non. Et par là, il y a quoi? De l'aluminium. Bon. Alors, je fais que passer. Hein. Je viens en paix parce que j'ai pas beaucoup de vie, donc je vais pas chercher la merde. Moi, il faut que je monte. Ah, faut que j'aille là-bas. C'est pas si en gros que ça. Je pensais qu'il fallait que j'aille tout là-haut. Après, faut peut-être que je passe par là quand même. Hein, mais déjà. Une petite douche de silicium. Très bien. Ok, bon. Je trouve rien. Ah, bienvenue. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Xixi, peut-être. Je sais pas. Xixide. Je ne sais pas du tout. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Alors, là j'ai vu, là j'ai vu. Là-bas j'ai pas vu. On va aller là-bas et après on ira là-haut. Hein, mais j'aimerais bien trouver de quoi me soigner. Ah, c'est quoi? Parce qu'il y en a un qui réapparaît, tout va bien. Après tu peux peut-être m'écrire comment je peux prononcer ton pseudo, comme ça à l'avenir j'essaierai de pas faire de faute. Ah, de la tumeur. Miam, miam, miam. Ok, alors là. Oh, il y a un trésor là. Mais non, non, non. On va rester raisonnable. Ça se trouve, je vais atterrir face à un ennemi qui n'est pas de mon niveau et qui va tout simplement me rouler dessus comme Sonic tout à l'heure. C'est bruyant ici. Moi j'ai toujours mon acouphène, alors le bruit là, quelle horreur. Hop. Tac. Oh. D'accord. Ah là, il y a un truc à faire exploser. Attendez. Je l'avais pas vu ça. Alors, est-ce qu'on peut trouver un truc intéressant? Ah là, oui. Là, je le prends. Je cours pour ma vie. Je cours pour ma vie et je le lance. Très bien. Xix... Attends, Xixide. Comme ça? Xixide. Je pense que c'est dû au manque de sommeil, vu que de toute façon, en plus d'avoir mon acouphène, ce matin, j'ai saigné du nez tout. Genre vraiment, je suis pas bien. J'ai vraiment pas dormi de la nuit. Hein. Ça, je peux le manger. Monter de niveau. Yes. Ah, ben voilà, ça m'a soigné. Bon, allez, j'essaye de jouer encore au moins une demi-heure de plus. Mais je pense qu'à 18h, je vais arrêter quand même parce que je suis pas très en forme. Alors, ça, ça brûle. Ça, c'est dangereux. Alors, on va faire ça. Paf. Ok.
Par contre, oui. D'accord. Hop là. Bah, je pense que ça peut être lié. Je suppose. Hein. Je n'ai pas été diagnostiquée. J'ai pas vu de médecin ou quoi. Mais pour moi, ça me semble logique. Parce que vraiment, je me sens au bout du bout. Quoi. Je suis trop fatiguée et tout. Donc, je suppose que c'est lié. C'est bizarre. On dirait un peu une zone de boss. Non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon. Le caca, voilà. On a du caca. Avec le caca, tout va bien. Oh, putain. Ok. On peut le scanner. J'aime les crustacés. Surtout avec du corps à l'air. Oh là là. C'est quoi son point faible? Ça va être ses antennes là-haut. Prends du caca! Ça marche pas le caca dessus? Putain, et bien entendu, j'ai pas rechargé mon arme avant, alors que je me suis dit, oh là là, ça ressemble quand même à une zone de boss. Et si je ne rechargeais pas mon arme, c'est intelligent, ça, tiens. Attends. Ouais, ça a l'air d'être ça, son point faible. Ok. Ok, là, il est vénère. Là, il est pas content. Hop. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ah, il en a eu des nouvelles qui ont poussé. Ok, tiens, prends du caca, tant qu'il m'en reste, j'en profite. J'arrive pas à viser. C'est affreux parce qu'en fait, il bouge trop. Ok, j'en ai eu un. On va dire que c'est déjà ça. Après, je pourrais faire la super attaque et tout, mais je vous avoue que j'ai peur de rater mon QTE pendant qu'il me tire dessus. Salut? T'es pas content, hein? Ah, ah bah d'accord. Il n'y a pas de caca par ici. Ah, j'ai mal, mais ça fait mal. Ah, mais quel petit bâtard. Ok, d'accord. Donc il nous met des trucs comme ça pour nous casser les pieds. On va y arriver. C'est pas un boss très compliqué. Mais c'est sympa qu'on ait des boss. Bon, tant pis. Je prends le risque de me prendre des dégâts. J'ai plein de vie. Il a l'air fatigué, le pauvre. La tumeur là. Oh la belle bête. Oh la grosse bête. Ce crustacé carnivore et grognon brisera chaque cause de ton corps catatonique. On va lui chatouiller ses petites antennes luisantes, il va voir celui-là. Ok, donc c'était ça l'indice pour le... Mais enfin... Tu prends pas le temps de lire ça quand tu te bats contre un boss. Heureusement que ça c'est un peu visible en fait les points faibles des bestioles. Donc ça nous a ouvert une porte. Est-ce que la porte en elle-même, je peux la scanner? D'accord. Donc c'est une barrière. Bon, impossible de la faire tomber. Effectivement, il fallait qu'il y ait un gros crustacé qui la fasse tomber pour moi. Ok. Alors, attends. Oh là là, attends. Pauvre folle. On va pas la tête. Là déjà, tu fais ça, et tu fais ça. Bon, il n'y a pas à dire, sans les petits cacas, j'aurais galéré, hein, parce que ça le maintenait quand même pas mal immobilisé. Je suis contente que ça fonctionne sur les boss. Et que ça fonctionne longtemps aussi, parce qu'il est resté bloqué longtemps à chaque fois. Hein. Bonjour. Ah bah voilà. Ça, j'aime bien ça. Alors, toutes les plantes à grenades descendent de ce spécimen ancestral. Prélève un échantillon pour déverrouiller le stabilisateur de grenade. C'est-à-dire que je vais avoir un lance-grenade sur moi, vous pensez? Moi, je veux bien. Hein. Moi, j'aime bien. Les capteurs de température détectent un liquide en fusion dans les environs. Si tu l'analyses, on pourrait peut-être fabriquer une amélioration pour ton gantelet. Ou alors, je peux peut-être les garder plus longtemps dans la main? Je sais pas. Ah oui, parce qu'en fait, j'arrivais pas à garder les bombes dans la main parce qu'elles me brûlaient la main, je crois. Ok. Et ça, c'est quoi, ça? C'est juste à côté, l'histoire de la tour, là. Attendez, on va faire un test. Ah bah non.
Ah mais non, mais j'ai pas acheté l'amélioration, je suis trop bête. Ah bah j'ai pété la porte. Bon bah voilà. Oh. Oh là là. Bonjour. Tout va bien. Oh, mais on est au pied de la tour. Oh, il y a un téléporteur. Salut. Clairement pas une... une île inhabitée, ou en tout cas... elle l'a été. Trop spectaculaire. Aucune idée de ce qu'il peut y avoir là, mais c'est là qu'on va. Évidemment, pas maintenant. On n'a pas tout ce qu'il faut encore. Et bientôt. Ok. Si tu restes en vie. Ok. Après avoir analysé les données que tu as récupérées, je trouve aucun moyen d'ouvrir la porte d'ici. Je détecte plusieurs connexions à des appareils et à des systèmes quelque part au-dessus de ta position actuelle. J'ajuste ta boussole pour qu'elle affiche ces nouvelles informations. D'accord. Bah écoutez, on va faire... on va suivre ce qu'ils nous disent. On va rentrer. On va acheter le... Oh merde, pardon. Je t'ai coupé la parole, Echo. Je suis désolée. Ouais, c'est joli, hein. Franchement, le jeu, il est très joli. Ah non. Ah non. Ah, c'est pas un téléporteur? Attends. Enfin, c'est un téléporteur, mais... mais qui me ramène pas à la maison. Oh bah non. Je sais que tu fais d'incroyables progrès dans ton exploration, mais je dois te demander de retourner au Javelin dès que possible pour y récupérer une surprise très spéciale. Une affaire de quelques minutes. Ouais, alors je veux bien y retourner, hein, mais le téléporteur, il me... Ah si, ça y est. Ah. Ah d'accord, je croyais qu'on allait avoir que ça, mais en fait non, on en a encore d'autres. Ah, c'est cool. Et du coup, ouais, je vais me téléporter au vaisseau. Tu te souviens de la surprise dont je t'ai parlé? La surprise, c'est de la paperasse. Waouh. Merci beaucoup, Echo. T'as des idées noires? Non, tais-toi, tais-toi. Voilà. Alors, déjà, la paperasse. Nouveau rapport. Et félicitations, explorateur! Tout le personnel de Tien Duel est heureux de te retrouver en vie. Waouh. Bonjour explorateur machin truc, remplis ce petit rapport basé sur ton expérience jusqu'à maintenant. Très bien. Ouais, c'est ça, je suis contente, je m'attendais pas à ça. Quand j'avais vu le nombre de téléporteurs et tout sur le premier, je me suis dit tiens, ça a l'air plus petit et tout que je le pensais. Finalement non, c'est très grand. Merci d'avoir entrepris la mission de reconnaissance aussi rapidement. Ah, ils m'ont... Oh là là, ok. Qu'est-ce que c'est les histoires? Non, je me sens seule. Je pense que ce jeu en coop peut être très marrant. Ah, si tu te sens seule, parce qu'on peut y jouer... Ou tout simplement, devenir amère, hein, et projeter tes propres faiblesses sur les autres en rédigeant des propos haineux sur les réseaux sociaux. J'adore ce jeu. Mais ouais, ce jeu se joue en coop, mais c'est... franchement c'est sympa. Hein. Si vous avez un pote avec qui jouer, je ne m'attendais pas à ça, donc du coup, je joue avec personne, mais bon. Je crois qu'il y a de la coop, oui. Aïe, je me suis cognée comme une débile. Il me semble que tu peux y jouer en coop. Pour le reste, t'as été raisonnable et t'as réduit au strict minimum tes achats d'amélioration. Pour saluer ton mode de vie minimaliste, Tim Duel te décerne la distinction plus avec moins, qui sera envoyée à ton appartement sur Terre en 17 pièces à assembler, chacune emballée dans du papier non biodégradable. Non biodégradable. Bah voyons. Pour finir, comment as-tu aimé ton expérience sur cette planète infernale qui veut ta mort? Évalue ta satisfaction globale sur une échelle de satisfait à insatisfait, où le plus satisfaisant équivaut à, mettons, flatter un chien, et le moins satisfaisant à tomber en pleine face dans l'herbe à puce. Ouais, c'est fun. Allez, on dit que c'est fun. Vous êtes contents. J'ai fait un sondage. Donc, tu vas juste trouver un moyen d'entrer dans cette tour, ça nous donnera un coup de main.
Oula. Alors, vacances passionnantes. Je pense que c'est de la pub, mais on va lire quand même parce que l'humour du jeu me plaît beaucoup. De la part de Extra Reality Tours, vous rêvez de pouvoir fuir le dur travail qui vous écrase tristement un peu plus chaque jour. Mais vous ne trouvez même pas le temps de réfléchir à votre vie et à quel point elle est plate. Mais c'est horrible. Ah, j'aime pas quand ils font le flou comme ça là. Vous en avez assez de vous sentir nul, prévisible et extrêmement ennuyeux, mais vous n'avez pas les moyens de vous amuser ne serait-ce qu'une seule fois dans votre pauvre petite vie plate. Qui n'a jamais rêvé de parcourir la luxuriante Amazonie, de sentir la brume qui émane des chutes du Niagara sur son visage, ou encore de plonger dans la somptueuse grande barrière de corail, avant de réaliser que toutes ces merveilles ont été dévastées par les flammes ou englouties par les océans il y a très très longtemps. Laissez-vous guider, Extra Reality Tour injecte directement vos vacances de rêve dans votre cerveau. Profitez d'un climat idéal, découvrez des destinations impossibles, devenez intéressant, la décision vous appartient. Pour une durée limitée, notre offre d'amitié platine est à 50% de rabais. Créez-vous de vrais amis et acceptez l'idée folle que les gens vous aiment et veulent passer du temps avec vous. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai super mal. Prévision météorologique de Montréal. Alors, bonjour, c'est officiellement l'été à Montréal. Alors que le mercure ne cesse de grimper, on devrait encore connaître cette semaine des températures saisonnières entre 48 et 65 degrés, comme au cours des 15 dernières années. Comme d'habitude, en cette période de l'année, nous vous conseillons de rester autant que possible à l'intérieur et de ne pas vous exposer au soleil plus de 30 secondes. Si vous avez prévu de sortir, n'oubliez pas votre écran solaire avec un FPS d'au moins 350 à appliquer toutes les 5 à 10 minutes. Eh ben putain. Coucou Morgane. Voici votre météo pour les 7 prochains jours. Lundi, 50 degrés, 73% de risque de pluie acide brûlante. Eh, ça donne envie le futur, hein. Mardi, 51 degrés, 11% de risque de vent vaporeux crépitant. Mercredi, 66 degrés, alerte aux UV, risque élevé de vous brûler la chair. Jeudi, 6 degrés, léger risque de brume épidémique au cours de la nuit. Vendredi, 62 degrés, 52% de risque de petite tornade de feu. Je pense qu'il manque un chiffre sur le jeudi. Les nouvelles sont bonnes. Première banque galactique du commerce monocorpe. Bonjour client, machin truc. Ici, la première banque galactique du commerce monocorp, fier membre de la famille de corporations et filiale financière Globoverse, nous sommes ravis de te faire part du merveilleux développement de ta situation financière. Au solde de ton compte est actuellement de moins 492 237 dollars. Bien que le montant de cette dette puisse te paraître important, grâce à la toute récente promotion au poste d'explorateur intergalactique combinée à ton augmentation annuelle de 2%, nous avons calculé que tu auras remboursé la totalité de tes dettes dans à peine 47 ans. Cette projection représente une belle avancée en comparaison de ta présente projection de 51 ans. Waouh. Et elle te place bien au-dessus de la moyenne pour rembourser ta dette. Après avoir attentivement examiné le développement récent de ta situation, nous avons décidé de rétrograder l'état de ta dette de surendettement à accablante mais récupérable. Félicitations et continue comme ça. Tu n'es plus qu'à un demi-siècle de la liberté financière. J'en peux plus. J'en peux plus ce jeu. Il faut avoir ma peau. Ok. On a une vidéo en plus. Voyons, y'a personne travaille ici. Oui, c'est ça. Tu me niaises. Ok, hey, salut, content de te voir, ouais. J'espère que tu vas bien, merci encore de ton engagement. Je vais être bref. Les données que tu as recueillies jusqu'ici ont déclenché une alerte automatique dans notre système. On sait pas encore pourquoi exactement. Mais dans la tour que tu as découverte se trouve un potentiel exceptionnel. Tu vas y entrer, trouver la source d'énergie et la rapporter. Une généreuse récompense t'attend en échange. Il me fout les boules. Oh, il me fout les boules. Et c'est quoi ça? Ah, c'est la nouvelle pub que j'ai pas vue. Avec les lingettes cérébrales jetables à membrane de restimulation neurale. C'est facile. Tu l'insères dans l'orifice de ton choix et tu tires de l'autre côté. Non nanofibre intelligente s'occupe du reste. Je suis vraiment tanné. Oh. Elle hydrate aussi bien qu'elle apaise et elle est idéale pour les cerveaux secs ou les réunions stressantes. C'est vraiment poche. Brain Wipes navigue de façon intelligente et autonome dans les secteurs internes de ton cerveau et efface toute trace de pensée négative pour que tu retrouves ton sourire et ton optimisme. Efface toutes tes préoccupations avec une lingette intelligente désinfectante d'émotions Brain Wipes, offerte en modèle joyeux, amorphe et sociopathe. Non mais, je commence à me poser de sacrées questions sur la santé mentale des développeurs de ce jeu. Parce que là, quand même,
y a un problème. Enfin, genre, toute l'équipe qui a bossé sur ce jeu, ils sont un petit peu toqués du cerveau, là, ça va pas. Oh mon dieu, ok, bon. Merci de ta collaboration. Pour te récompenser et améliorer ton humeur générale, on a augmenté la quantité de médicaments Osban automatiquement injectés dans ta nourriture. J'espère que tu seras satisfait des résultats. D'accord. Ok, alors, voyons voir. On a un stabilisateur de grenades maintenant. Te permet de porter et de tenir des grenades. Ça, c'est très bien. Et ça, c'est quoi? Pour des explosions plus grandes et plus puissantes. Oh, ça, c'est encore plus très bien. Bon, déjà, on fait ça. Tu préfères le modèle à mort, joyeux ou sociopathe? Ouais, joyeux. Mais moi, je veux pas mettre de trucs dans le nez. Ok. Alors, là, on a tout. Le reste, je crois que ça nous le dirait hein, si on pouvait les prendre. Donc, pour le moment, voilà. Donc, je peux tenir des grenades dans la main. Ça, c'est très bien. Mais le plus que le gameplay qui est, ma foi, assez basique, sur, enfin c'est du déjà vu, mais vraiment, hein, je le redis, l'histoire et l'ambiance générale du jeu, son humour, mais ça fait tout en fait, c'est génial. On va ici du coup, ou alors on va... Attends, bah oui, c'est que là que j'ai une quête maintenant, attendez, sors de là. Au niveau des quêtes, journal, j'ai pas de quête secondaire, après j'ai des expériences... Donc ça c'est le truc de chute et tout, ça je pourrais le faire quand j'en aurai envie. Ça va se faire tout seul un jour sans que je m'en rende compte. Et ça... Ah d'accord, c'est ça. Ok. Bon écoutez, ça se fera... Ça me permettra de développer plus d'améliorations, tu me diras. Mais le truc... on verra. Ça, faut que je monte et puis un jour que je tombe et puis voilà. Donc on va aller voir la tour. Enfin, on va voir le truc que la tour m'a débloqué en tout cas. Température ambiante, 27 degrés Celsius, biomarqueur nominaux. Alors, du coup, déjà. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a sur la tête lui? Incroyable, cette créature a développé une carapace d'ambre pour se protéger. On la tue. On la tue? D'accord, et ça c'est quoi? D'accord, très bien. Et ça, c'est quoi? L'acide est l'outil idéal pour la création et l'élimination des corps. Mais sans amélioration, tu risques de ne pas pouvoir le garder très longtemps. Si tu recueilles plus de données là-dessus, Kindred pourrait donner son approbation. D'accord. Oula, je suis en zoom, c'est dégueulasse. Donc ça, on l'a vu, on va descendre tranquillement. Alors, est-ce que je peux récupérer ça? Et là, je peux pas la garder parce que c'est de l'acide. Salut! Oh oh, oh oh. Ok. Donc, c'est des bombes d'acide que je ne peux pas encore tenir. Très bien. Tu parlais de quoi? Qu'est-ce que j'avais dans la main? Oh, j'ai déjà des grenades. Cool. Tu parlais de ça? Oh non, je suis désolée! Je suis vraiment désolée! Ça? Attends, on va recharger mon arme. Je connais pas du tout. Toi, je t'avais déjà piqué, toi, hein. Ouais. Ok. Où est-ce que je dois aller? Par là-bas, en haut. À la tour. Mais pourquoi j'ai atterri ici, en fait? C'est la tour qui m'a envoyé ici. Enfin, c'est le téléporteur de la tour. Ah, ça? C'est des appâts. Ah, attends. Okay. Est-ce que je peux retourner au pont brisé? Voilà. Ok, mais moi je dois aller ici de toute façon, donc on va rester là, mais... Que je comprenne... Ah bah il faut que j'aille en face, évidemment. Secret à proximité... Oh, il y a un truc là. Alors attends. Pof et pof.
Alors, qu'est-ce que c'est? Fascinant. Je détecte dans la tour des éléments d'une ancienne transmission directement émise de ces tablettes. Mon analyse préliminaire suggère qu'il s'agit de codecs vidéo. Si tu trouves d'autres exemplaires, je serai en mesure de les sauvegarder pour les décoder. Ok, donc là je viens de voir. Attends, je coupe pas la parole. J'ai gardé une référence croisée avec notre base de données de langue extraterrestre pour générer une traduction. J'ai également ajouté un nouveau dossier sur le bureau de l'ordinateur du Javelin. Tu pourras consulter les résultats quand tu voudras. Je suis désolée, mais c'était beaucoup trop tentant. Alors, du coup, de ce que j'ai compris, des petites tablettes comme ça, il y en a 10. Oui, je sais, je suis méchante. J'avais vu... Mais j'ai plus le truc. Ou c'est peut-être là-dedans? Ah, là. Ok. Ah oui, mais il y en a 10, mais un peu partout, en fait. D'accord, il y en aurait une dans le site d'atterrissage. Je l'ai pas vue. J'étais pas prêt, le pauvre. Oui, je suis désolée. De temps en temps, j'ai des petites pulsions. Oui, tout à l'heure, j'étais vraiment désolée. Oh là là, oh là là, va pas trop loin. C'est, ça se scanne, ce gros truc, là. Yes. 800 remparts. Dur à l'extérieur, tendrement enrichissant à l'intérieur. Ok. Là-bas, il y a des trucs aussi, mais est-ce que ça se... Pas l'impression. Et ça là, c'est quoi ça? Je suis un peu loin encore. On va y aller, hein, de toute façon. C'est quoi ça? C'est méchant. Même s'il a changé de couleur, c'est toujours le même poisson-oiseau au système digestif abondant. C'est agressif ou pas? Dans le doute. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Il y a un élément magnétique incrusté dans ces lianes qui devrait interagir avec ton grappin. C'est un peu comme une montagne russe, en cool. Plus court et en beaucoup plus dangereux. Eh ben, écoutez. Pourquoi je peux pas... C'est censé interagir avec mon grappin, mais... Mais en fait, j'ai l'impression que mon grappin ne le détecte pas, ce truc-là, donc je vous avoue que je suis pas très tentée de... Faut que je saute dessus. Bon. Écoutez. On teste de sauter dessus. Je pense qu'il faut une amélioration. Hein. Avec le bon équipement. Ouais, ok. Hop. On va pas tester du coup. Il y a des bruits là. C'est quoi le bruit? Oh là, il y a une méduse rouge. Je suis un peu loin pour la scanner, je pense. Ah, c'est quoi ça? Derrick extraterrestre. On dirait que la pompe est connectée. D'accord, c'est du pétrole. Je reçois une signature énergétique bizarre en provenance d'une île flottante dans les environs. Ça vaut peut-être la peine d'aller voir de quoi il s'agit. Enfin, c'est pas vraiment du pétrole, c'est pas vrai. Enfin, c'est bizarre. Si je peux pas, si je peux le... De l'ambre. Ok. Ok, bon, va falloir que j'aille là-bas. Il y a un truc qui fait bup, mais je sais pas ce que c'est, ça me stresse. Je déteste ce genre de bruit. Ok, j'en prends ça. Là, je peux pas. Je sais pas où je dois aller exactement, parce que toi, il veut que je monte tout là-haut, mais. À l'heure actuelle, c'est pas possible. Par contre, j'ai une quête par là-bas. Ça, c'est où, ça? D'accord, donc ça, c'est là-bas. Ok, donc je dois aller là-bas. C'est le truc le plus proche, je crois. Hein. Ça, c'est où, ça? Ah non, il y a ça qui est plus proche encore. On va essayer d'y aller. Oh, 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 oh. Doucement. Contrôle-toi. Hein. Arrête de sauter n'importe comment. Ok. Ah, il y a un poisson machin, là. Mais il n'est pas de la même couleur que l'autre. C'en est un autre? Ouais. Ah. T'as un nouveau message. Mais non, c'est une blague. En fait, c'est pas une blague. C'est vraiment un nouveau message urgent au Javelin. Oh, on va y aller après.
Alors, arrête de bouger, j'aimerais bien te lire. Il ressemble à un poisson, ça je l'ai vu. Il vole comme un oiseau, il chie comme un champion. Ok, très bien. On va y aller, on va aller le voir. Hop là. Gentil. Gentil. Bonjour. Je veux... Oh putain. Ok, il y en a un là-bas. On va aller voir après. D'ici, il peut pas me détecter de toute façon, je pense. Je vais juste faire cette petite quête. Après, on va aller voir ce fabuleux message urgent. De toute façon, ça va faire 2 heures que je stream et je vous avais dit que je tiendrais pas les 3 heures. Ah, tu m'as fait peur. Et effectivement, je ne tiendrai pas les 3 heures. Je suis un peu en train de somnoler. Alors, tac. Mais je pense que la semaine prochaine, je vais faire au moins 2 streams sur ce jeu parce que je l'aime beaucoup. Et ici quoi, tiens? Ah, c'est des trucs pour voir, je crois, non? Ouais, oh non, on va être dans le noir. Oh, ils ont quoi, eux? J'ose pas aller dans l'eau. C'est quoi, ça, déjà? Et c'est pour ça qu'on vaccine nos enfants. C'est de la science, ça marche. Alors, attends. Vous êtes... Oh non, ils sont agressifs? Ah, ils sont agressifs! Oh non! Les petits oiseaux! Et ça, c'est quoi, ça? Cette pierre tombale est vraiment terrifiante. D'accord, c'est, un, c'est une pierre tombale. Tout va bien. J'aimerais bien... D'accord. Créature furieuse infectée, elle t'aime toujours. Mais moi, j'ai l'impression que je vais me faire agresser, plutôt. Effectivement! Elle m'aime toujours de rien du tout. Ça dégage. Non, mais où? Et ça, c'est quelque chose ou... J'ai bien envie d'aller voir. Ah! Yes! Petite dédicace aux anti-vax, mais carrément. Vraiment, ce jeu, trop cool. Trop contente de l'avoir découvert complètement par hasard. Alors, attends, je vais aller voir vraiment si j'ai besoin tout de suite de ma loupiote, là. Tu meurs. Toi tu meurs. Et quoi? Toi tu meurs. Là. 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 Voilà. Il y en aurait un que je ne vois pas. Ah. Oui bah tant pis. J'abrège ses souffrances on va dire. Je vois pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe 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 aïe. Attends je voudrais vous scanner. Là. Putain, mais c'est impossible à scanner. Genre... J'arrive pas à les scanner. Faudrait que je les scanne sur qu'ils me voient, mais là, ça va être un peu compromis. Donc, bah, tant pis. Oh, oh. Mais je prends super cher, en plus. Il y a lui, il y a lui. Ok. C'est quoi ces horreurs? Alors attendez. Hop. On va aller se soigner. Je m'attendais pas à croiser des moustiques lanceurs de dards ou je ne sais quoi. Hop là. Ah, je ne peux pas me soigner plus. Merde. On va aller se soigner encore plus. Salut poisson. Au revoir poisson. Voilà. C'est pas mal ça. Attendez, je vous montre vite un petit truc. Je suis sortie de la grotte. Du coup, j'ai mon objectif est vraiment loin. Et en fait, ils me remettent l'objectif à l'entrée de la grotte. Pour que je retrouve mon chemin. Il n'y a qu'à se faire vacciner. Exactement. Ok. Oh merde. Oulala, calme-toi. Le dash, c'est pas bon. Très bien. En fait, j'ai pas besoin de grappin. Je sais pas pourquoi ça me le propose. Ok, alors, voyons voir, on a cet endroit là et on a les moustiques là, mais je vais pas arriver à les scanner hein, ceux-là, hein. C'est pas possible. Hein. J'aimerais bien lui abréger ses souffrances, attends on va faire ça celui-là déjà, merde j'ai fait trop bas,
Oh non, mais regardez-le, le pauvre. Le problème, c'est que... Quoi? Ah, il est là. Je sais pas si je vais réussir à les scanner, ces machins-là, parce qu'ils ont l'air de me voir de vraiment super loin à chaque fois. Ouais, celui-là, je peux pas... Ah si, ça y est. Alors, moi, je voulais aller voir ici. Déjà, on reprend ça. Voilà. Très bien. Alors, bonjour. Ok, alors moi, mon objectif se situe à 30 mètres par là-bas. Je pourrais descendre, il y a des trucs en bas à scanner, non? C'est quoi ça? Ça, je sais. Ok, ça, c'est une tombe machin. Ah, là, il y a un truc à péter. Bon, on va descendre. Même si je vous avoue que ça me fout un peu les boules. J'aime pas trop cet endroit. Oh là, ça, j'aime bien, ça, par contre. Ça, on prend. Très bien. Je comprends pas pourquoi on me donne de la lumière, hein, parce que... Enfin, j'ai pas besoin, en tout cas pas pour le moment. Peut-être quand ce truc-là va s'ouvrir, parce que je sens bien que ça va s'ouvrir. Du coup, il me faut une bombe. J'en ai une là, je la balance. Ah putain, une... j'avais pas vu qu'il y avait un méchant là. Ok. Alors. Oula! Ou là. Ok, je peux pas y aller pour le moment. J'ai peut-être pas encore débloqué le système pour. Ou alors il faut que je lance un caca dessus, mais je ne pense pas. Non, bon. Bah écoutez, on part du principe que pour le moment j'ai pas le droit d'y aller. Ou alors il faut ça? Attends. Ouais, non, ça fait rien. Bon, bah pour le moment, je ne peux pas. Il doit me manquer des trucs, mais ça veut dire qu'il faut que je me souvienne de cet endroit. Ça va être compliqué, ça. C'est pas grave. Hop, on va remonter. J'aimerais au moins finir cette quête, mais... Salut les petits oiseaux. Oh, ah si, ils ont toujours une lumière, eux. Maladif, mais ils t'aiment quand même. Mais oui, moi aussi, je vous aime. Qu'est-ce qu'on a ici? Des graines à grappin. Oh. C'est joli comme endroit, malgré tout. Hein. Si on oublie les oiseaux malades... Ok, alors, on me donne des bombes. Oh, oh là là. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. De la tumeur. Ok, on a fait un petit level up en plus, c'est pas mal. Est-ce que j'ai quelque chose à scanner ici? Non, du tout. Alors... Ça doit être des graines à grappin encore, je pense. Oui, c'est ça. Hop. Oh là là, ne tombe pas. Alors, on a... Merde, on se trompe. C'est pas grave. On va faire ça. Une graine à grappin ici. Une graine à grappin là-bas. Je vais en mettre là. Je vais aller récupérer celle que j'ai... Hop. Si j'y arrive, une... Je vais pas récupérer les autres, elles ont disparu. Merde. Un peu chiant ça. Tant pis. Hop. Alors voyons voir si je... Hein? Bon, merde. Ah bah là, il y en a peut-être là. Très bien. Alors admettons, je monte là. Ok, ensuite. Je te souffle. D'accord, on a un cartographe qui est égaré. Très bien. Hop, on en met un là. Et est-ce que je peux de moi-même, enfin,
Ça passe ou pas? Ça passe. Donc admettons, je saute ici, très bien. Je saute là. Ok. Je vais avoir des problèmes de graines de grappin. En plus là, on est proche de la tour. Est-ce que je peux juste en balancer un là? Et me dire que genre si je saute, ça passe, effectivement. Parfait. Hop, lâche ça. Oh, c'est joli ici. Ma gélatineuse, ok. Oh, un téléporteur, parfait. C'est quoi ça? Ok. Oh. Papillon extraterrestre, parce que c'était trop dur pour ce pauvre petit arbre de faire pousser de vraies feuilles. Oh non. Ok, et donc là on a je crois un nouveau... Ça va être le rouge, je l'ai pas vu mais ouais. Il n'y a rien de plus drôle en effet. Champi triste, chétif, faible, fripé, assez parlé de toi, penchons-nous plutôt sur cette plante. C'est pas très gentil hein. Alors attends, déjà on va tuer ce machin là. Parce que ça là, ça pue le truc de merde. Mais pourquoi tu... C'est agressif d'habitude ces bestioles là. Ok. Yes, on dirait bien qu'il y a un autre sanctuaire tout près. Oh, oh. Oh, Burke. Oh, ça me dégoûte. Bon. Bah écoutez les copains, je vais vous laisser là, je pense. On pourrait comment c'est switch chargé à récupérer la pile combustible. C'est possible. Moi je vais vous laisser là pour le stream d'aujourd'hui. Je vous donnerai le programme ce soir, le programme de la semaine prochaine. Je pense faire au moins 2 streams sur ce jeu parce qu'il me plaît beaucoup. Et de toute façon j'ai pas trop... Ouais j'ai un message urgent au javelin. Si vous voulez on va voir le message urgent et puis après on se laisse. Parce que là j'ai très mal partout donc je peux plus. J'ai tenu un peu plus de 2 heures alors qu'à la base j'avais dit 1 heure. Quand même pas dégueu. Alors attends. Je suis sans voix, hein. Je suis désolée, je ne réagis pas. Répertorie et outils à fond local et transfert d'innombrables données au service de recherche de Kindred. Tu vois ce que je veux dire? Le taux d'échec ou de décès est de 15% dans toutes les activités de notre entreprise. Alors de savoir que tu es toujours vivant et en train d'écouter ce message-là, ça réchauffe le cœur de toute l'équipe Kindred. Bingo! On a gagnant! On aimerait aussi profiter de l'occasion pour te parler de Puf Puf Pasta 79. Ce jeune homme-là a réussi à rester en vie, mais il a aussi attrapé... Ça! Malade! Ça fait mal juste à le regarder. Mais on pourrait peut-être avoir ici le remède à certains fléaux qui continuent de frapper notre espèce, comme le virus herpès simplex ou le syndrome du membre étranger. Je te souhaite bonne chance, Puf Puf Pasta 79. Bon, assez de placotage. Nos recherches pour trouver les meilleures planètes susceptibles d'accueillir la vie humaine se poursuivent. Et grâce à qui? À toi. Continue ton exploration. D'accord. C'était ça le message urgent? Je pense pas. C'est le futur de Fortnite, ça, les gars. C'est trop drôle, c'est trop fort. Sauf si vous achetez séparément chaque personnage, élément du monde, modèle et texture. Aussi bientôt disponible. Boba, 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 FPS, MMA, IDGA, F4D, HDWD.
Le niveau supérieur en matière de conneries hyper simulées. Des studios Brain Drain Games. C'est pas un jeu. J'adore. Alors, voyons voir. Statistiques. Temps de jeu total 3h07. Progression de la partie principale 31%. Donc on a encore pas mal, on a pas mal de trucs à faire. Hein. Je sais pas ce que c'est OGM. Nombre de morts 3. Très bien. Faut que je clique dessus. Pourquoi ça clignote alors? Vidéo, c'est les deux. C'est les deux vidéos qu'on vient de voir, donc je les enlève juste de mon truc qui clignote. Et écoutez, il n'y a pas de message. Je crois que c'était bien ça le message. Ah non, ça doit être ça. Ah non, c'est le truc là qu'on a ramassé tout à l'heure. Ok, c'est juste ça. Oula, attendez, ça va trop vite. C'est stylé comme visuel comme ça, j'aime bien. D'accord, on n'en sait pas plus pour le moment. Ok, bah écoutez... J'ai une corbeille. Hey, j'ai des trucs dans la corbeille. Attendez, ça m'intéresse. Allô, maman. De la part de Lesker. Je suis arrivée. Je ne peux pas dire que le voyage ait été interminable ou particulièrement pénible puisque j'ai dormi tout le long. C'est un étrange sentiment que de fermer les yeux sur Terre et, en ce qui semble être un court instant, les rouvrir dans un autre univers. J'ai observé les environs pendant une bonne quinzaine de minutes avant d'oser poser le pied dehors, mais je me suis souvenu de ce que tu avais dit avant mon départ, que je serais le premier Lesker à quitter Alrington et la Terre. Alors je me suis levée et j'y suis allée. Je t'adresse désormais à l'explorateur machin truc, je suis officiellement sur aucune planète. Ma mission consiste bien sûr à explorer, mais il faudra aussi survivre. Alors je n'ai pas tardé, j'ai construit une arme, un peu décevant je dois dire, mais il semblerait qu'il y ait quelques prédateurs dans le coin, je t'en dirai plus demain à plus mot. Mise à jour. À présent, je réalise plus que jamais à quel point une préparation aurait été utile. Je comprends que Kindred ait pour objectif de permettre aux gens normaux de découvrir les merveilles de l'espace, mais personnellement, mon équipement me donne des maux de tête. Sans parler des déplacements sur cette planète, la gravité est bien plus intense que sur la Terre et mon dos en fait la douloureuse expérience. Et le grob d'ici, il est vraiment mauvais. Je pensais pourtant que rien ne pouvait être plus mauvais que la version terrestre, mais oui. Je mange insectes ou des fruits de mer, tout a le même goût. J'espère que bientôt je découvrirai un délicieux mets local, et peut-être qu'à mon retour, je pourrai lancer de nouvelles collations extraterrestres qui deviendront tendance. Chère maman, j'ai mangé quelque chose, je sais que ça paraît innocent, mais je l'ai fait, et il est trop tard pour revenir en arrière maintenant. J'ai une excroissance violette sur une partie de mon corps, et je ne vais pas faire un dessin, mais elle est grosse, elle semble grandir chaque jour un peu plus, et elle démange encore plus que la fois où j'étais tombée dans les orties, quand oncle Jeff m'avait amené me baigner au lac nudiste. Comme tu le sais, oncle Jeff n'était pas du genre à rire, mais il était mort de rire pendant des heures quand nous sommes rentrés et qu'il a fallu me couvrir de deux bouteilles de lotion de calamine pour que je dorme. Bref, tout ça pour te dire que les choses ont changé et que je ne suis plus aussi motivée que je l'étais lors de mon premier message, ton fils. Ok. Chère maman, cela ne fait que quelques jours que je suis ici, mais je me demande déjà si c'était une bonne idée. La masiolette a grossi et elle s'étend maintenant sur une bonne moitié de mon corps. Je me dis que je n'ai peut-être pas assez réfléchi avant de décider de venir. Je pensais que... ce serait une aventure amusante, mais je n'ai pas pensé aux conséquences possibles. Et s'il m'arrivait quelque chose, que faire sur une situation dangereuse? Oh, je suis plus parlé. En tout cas, j'ai découvert beaucoup de sujets de réflexion en très peu de temps. Ça veut dire que ce voyage m'aura appris quelque chose, au moins. Malgré tout, je ne me sens pas bien du tout. J'ai du mal à me concentrer sur ce courriel. Et je vais donc aller m'allonger un peu. J'espère me réveiller en meilleure forme demain. Alors. Bon, bienvenue, non. Je suis Marteau Touette du Kiki Nanana, le Big Boss. Je t'écris aujourd'hui pour te dire que les identifiants de ton compte Kindred vont bientôt devenir expirés. Ah mais c'est un... Ils disent que c'est pas un mail, un faux mail d'un personnage, c'est du sérieux, mais il y a plein de fautes en fait. S'il te plaît, envoie-moi ton identifiant et mop de passe et je vais tout réparer, sinon tu pourrais peut-être devenir viré. Tu dois m'envoyer aussi une carte cadeau de 90$ du Kindred Mix Store. C'est le prix habituel, tu comprends. J'espère une réponse vite, ton job est en danger. Ok. Bon... très bien. Et là... là, il faut que je fasse la quête machin. Ok. Là, il faut que je fasse la quête machin. Et là, il faut que je fasse la quête machin. Ok. Bon, bah, du coup, la vidéo importante, c'était la vidéo de l'autre taré, je suppose. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi ce petit stream en ma compagnie. Et moi, je vous fais des bisous, puis je ferai sûrement le programme du coup ce soir ou demain matin. Je le publierai pour la semaine. Du coup, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye !